Bam! On est reparti pour une nouvelle première écoute. On est bon pour le micro. Hey yo, salut mon gars, salut la gâte, c'est Jérém. Comment tu te sens en cet instant? Comment ça va aujourd'hui? Allez, on est parti pour a new song. Nouvelle découverte, ensemble ou pas. Peut-être que t'as déjà découvert, petit cachotier, petite cachotière. Moi en tout cas je suis super content comme d'hab de faire une première écoute parce que découvrir du son c'est mon quotidien, tu vois, je kiffe ça déjà de base, c'est ce que je fais tous les jours. Mais le fait de le découvrir en plus avec quelqu'un, tu vois, qui il y a de grandes chances qu'on n'ait pas non plus, tu vois, et ben je trouve ça mais tellement kiffant quoi. Tu vois, donc découvre en même temps là. À distance en plus, c'est magnifique. Et un jour on en fera en vrai, en physique. Je te l'annonce là, dès maintenant, bam. C'est déjà dans ma tête depuis longtemps, mais je te l'annonce, bam, ça sort comme ça. C'est dit, c'est fait, je reviendrai pas dessus. Un jour en physique, en vrai de vrai, on en fera des premières écoutes comme ça, toi et moi ensemble, main dans la main. Quand on commencera à mettre des événements physiques en place, avec la radio à la vague de chez nous, etc. Ça arrive bientôt. Là-dessus, j'en dis pas plus parce que bientôt, voilà. Vu que les choses se posent pierre par pierre au jour le jour, donc je peux pas te balancer une date comme ça ou un truc. Non, bientôt, voilà. Au fil des mois, ça va arriver, petit à petit. Et donc quand ce sera là, bien en place, bientôt, plus tard. Ah putain, je me ferai moi-même tout seul quoi. Et ben à ce moment-là, boum, on pourra faire des premières écoutes ensemble, en physique, en réel. Et ce sera top. Mais entre temps, déjà, il y a une autre étape. Avant de penser au réel physique, il y a celle en live, déjà, avec YouTube. Donc là, on les fait, tu vois, en différé, quoi, une vidéo normale. Mais entre temps, après, petit à petit, je vais en faire en live, si t'es chaud ou chaude. D'ailleurs, ben, dis en commentaire, là, maintenant. S'il te plaît, avant de démarrer, si le cœur t'en dit, dis-nous en commentaire, là, est-ce que t'aimerais des premières écoutes comme on fait là déjà, mais en live, c'est qu'on le fait ensemble vraiment pour de vrai, c'est-à-dire que c'est en direct, je diffuse ça en direct sur la chaîne YouTube, et boum, on est ensemble, et on passe un moment ensemble à faire une première écoute en direct, ensemble. Au lieu de regarder un match de foot en direct, tu seras avec GG pour une première écoute en direct. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça le délire. Allez, donc c'est parti, aujourd'hui, donc 2-3 petits mots avant de commencer sur ce qu'il y a à savoir. Par rapport au son qu'on va écouter, donc c'est Mercule. Moi je prononce comme ça, je sais pas comment ça se prononce, ok, c'est américain, j'en sais rien comment ça se prononce. Mercule, il y a un S à la fin, je sais pas si c'est Mercules, mais je trouve que Mercule, tu vois, ça passe. Donc vas-y, Mercule, c'est très bien comme ça. Et on est parti pour un petit son qui a priori est connu, mais c'est un remix de Mercule, parce qu'il en fait déjà des remixes et bref, je le connais, en deux mots, je connais déjà ce gars, j'ai déjà écouté 2-3 sons de lui, enfin c'est des sons que j'écoute régulièrement, mais voilà, il y en a juste 2-3 que j'ai écouté jusque là, et je les kiffe, et je suis pas allé plus loin, mais là je me suis dit, tiens, allez, on va en découvrir un autre cette fois-ci, mais au lieu de le découvrir tout seul, boum, on en fait une première écoute. Donc, ce gars, il est dans une vibe vraiment très rap old school à l'américaine, dans son flow, dans sa façon d'être. Je kiffe, et encore une fois, si la vidéo ça passe, c'est-à-dire que si ça passe au niveau des droits d'auteur, que c'est pas bloqué, tu pourras voir l'écran avec moi, et donc tu verras de quoi je parle, tu verras son style, etc., et tu comprendras mieux ce que je te dis. Bon, et ben c'est parti, on est parti pour Mercule ou Mercules, Havana Remix, entre parenthèses, Camila Cabello, donc ça doit être un remix de cette personne là. Voilà. Et ben écoute, on est y part, c'est parti. 3, 2, 1, go. Bonne écoute. C'est parti mon ami. Yeah. I love taking these mainstream. Ah mais c'est ce que c'est ce son. New album out right now. Je suis pressé de voir
le mix à sa façon. Watch me put a rapper in a suplex, I'm killing these lames. I am the real Slim Shady in my Eminem face. Just salute me when you see me like this veteran say. All these new rappers sweeter than some lemon meringue. If the show's not litty, then I can't go there. I'm more hated than the rapper with the rainbow hair. Tell amigos I'm robbing them for Quavo share. And tell Offset I'm gonna need a bank loan player. Man, I feel like Lil Dicky, they must take me for a joke. I'll wake up in Scarface and put a blade inside your throat. Someone tell Khaled that I'm hacking his Snapchat so I can tell these whack motherfuckers they can't rap. And then I'm posting all these memes on his story. Well, I shit on the toilet and I just leave it recording. Cause I'm a sick fuck, big gut to boot. Fuck me, K-Cool, and fuck you too. You smoke weed with the stems and the seeds. You flow dirty underwear, you at the end of your street. Bitch, I'm Butterbean, you don't wanna wrestle with me. I'm drinking 50 cents vodka, you ain't effing with me. Catch me chilling in Miami with my Florida-based kid, Young Bull. I'm in lanes, even Tory ain't in. Like, ha, 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 ha. All these rappers doing Xanax, nah nah nah. I don't act rich on Instagram, no nah nah nah. That's just not music, you just rap like blah blah blah. I still have no idea what you're saying. I'm Canadian, every weekday I'm like the weekend. C'est le genre de gars que j'adore parce que il a un physique qui fait que certains peuvent avoir un certain jugement, tu vois. Et juste des bouts de son et tu fais et tu kiffes, tu vois. Et on s'en fout du physique, tu vois. Ça, j'adore. Ça claque des merdes, ça, tu vois. Yeah, I'm your favorite rapper's worst nightmare. Cause I'm a bottle full of whiskey, they ain't like beer. Got a buzz like Lightyear. I don't fight fair. Someone get these little pill rappers a new high chair. Dog, you must have had me fucked up, homie. Lil Pump in the trunk, I'm playing duck hunt, homie. I'm cleaning up your trash in my dump truck, homie. Talk shit till you see me, then it's what's up, homie. Whole squad go outside, yeah, I'm kind of grateful. Put them beats to your head like a Dr. Dre. Like, ha, 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 ha. Mais tu le vois, tu sens, je sais pas si tu verras la vidéo comme moi là. Sinon je te dirai où aller voir. Mais tu sens que le gars est kiffe, tu vois. Le smile en faisant son mix, il kiffe, tu vois. C'est ça moi j'aime. Le gars qui kiffe ce qu'il fait, tu vois. Ils sont pas là en train de se forcer, de faire semblant. Ils sont là, ils kiffent. That's just not music, you just rap like blah blah blah. I still have no idea what you're saying. Je sais pas, c'est marrant, il y a une vibe super légère. Là c'est super léger et super fort en même temps. C'est ça que j'adore avec ce genre de gars. Waouh, et ben du coup je continue sur ma lancée vu que c'est fini. C'est ça que j'adore avec ce genre de gars, tu vois, c'est t'as le côté super léger quand tu vois l'image qu'il y a derrière, tu vois sa vidéo. Le gars il est juste là comme ça, il te le fait en live, bam, il enregistre son son, il y a trois potes à côté, deux je crois que j'ai même plus compté, tu vois, ça m'a retourné le cerveau. Cette vidéo, je sais plus, il y a deux trois potes à côté autour comme ça, comme si on était posé, comme si toi t'étais là. D'ailleurs je vois qu'il y a plus de lumière là, il commence à faire sombre. J'avais la lumière du jour, c'était parfait, mais il commence à faire sombre dehors. Tu vois, c'est comme si toi t'étais posé là dans le canapé, je sais pas si tu vois, à côté de moi, dans le fauteuil. Il y en a un autre là d'ailleurs, à côté. Tu vois, qu'on était comme ça là, deux ou trois potes, en mode vas-y, tranquille, on est entre potes. Tu vois, ben lui c'est exactement ça, et ça j'adore ce genre de vibe parce que le gars, il kick sa race, tu vois, il claque des mers, il balance le flow, mais c'est un truc de dingue. Tu sens que, tu vois, c'est limite naturel. Alors évidemment, le gars, ça doit faire des années qu'il fait ça et que ça se fait pas comme ça. Évidemment, comme un Eminem, par exemple. Même si, voilà, je suis pas en train de comparer avec Eminem, non. Juste, je dis, comme un Eminem, tu vois, par exemple, lui, c'est pareil. Il a un truc naturel, comme n'importe qui. Mais évidemment qu'il a mis des années à le pratiquer et à le bosser pour que ce soit comme c'est aujourd'hui. Mais ça n'empêche que c'est naturel, tu vois. Le fond est naturel. Il a ce truc naturel, et ça je kiffe, tu vois. Bref, j'adore ce son, mon gars. Je suis super content, en plus, de découvrir des remixes comme ça, avec ce gars, parce que
tu vois, par exemple, il y en a un exemple de lui, c'est le seul remix de lui que j'ai dans mes sons, que j'avais écouté jusque là d'ailleurs, c'est le remix de Black Beatles. Tu te souviens de ce son, tu vois ce que c'est? Je sais plus, excuse. Je sais plus le titre d'ailleurs, mais tu sais, bah si, le titre c'est Black Beatles, mais je sais plus, j'arrive plus à retrouver le. C'est Rae Smurd, je sais plus comment, Sremud, je sais plus comment ça se dit, tu vois ce que je veux dire, le nom, c'est un duo de rappeurs américains, je sais plus comment ça se prononce, Rae Sremud, un truc comme ça, et le titre c'est Black Beatles, et il a fait un remix de ce son-là, et je l'ai déjà écouté, tu vois, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, pour la première écoute, allez, on va se laisser aller à une autre découverte type remix avec Mercules, je sais pas comment ça se prononce. Dans cette vidéo, c'est ouf, les noms, je ne sais pas comment ça se passe. Et voilà, parce qu'il déchire le remix Black Beatles. Donc au passage, lui, je te dirige juste vers lui si tu veux écouter un peu plus de ce que fait ce gars, parce que je le connais déjà le son, donc je vais pas t'en faire une première écoute. Mais voilà, juste pour te dire, ça déchire sa mère, et c'est toujours aussi bon d'écouter ce gars. Et surtout en mode un peu freestyle, comme ça, en live. Il est juste posé au studio et tu vas le voir si je peux te partager la vidéo. Sinon, si tu vois pas la vidéo, si tu vois pas la vidéo dans cette vidéo, putain, j'espère que tu comprends, que tu suis avec moi. Si tu vois pas mon écran tout simplement avec la vidéo du son qu'on vient d'écouter, c'est que voilà, pour raison de droit d'auteur, j'ai pas pu le mettre. Mais si jamais tu veux voir, de toute façon, donc je t'ai dit, c'est Mercules ou Mercules, Merkules, c'est son nom, tu marques ça, Havana Remix, Havana avec un H, Havana, Remix, ok, tu sais écrire Remix ou pas, Remix, merci, au revoir, merci. Et puis c'est parti, et tu vas pouvoir découvrir ce son, tu viens le découvrir avec moi si tu connaissais pas déjà, mais je veux dire, tu vas pouvoir l'écouter après sur YouTube, tranquille, si tu veux aller voir, voilà. Et ben, on en a fini pour cette nouvelle première écoute. Juste avant de partir, comme d'hab, si le cœur t'en dit, ben t'as le droit de dire en commentaire, est-ce que t'as kiffé, pas kiffé, est-ce que tu veux d'autres sons de ce gars qu'on découvre ensemble, des sons ben, que j'ai pas encore écouté moi-même, qu'on pourra découvrir ensemble pour les premières écoutes. Est-ce que toi, t'as un gars dans ce style à me faire découvrir, ou que tu veux te faire découvrir à tout le monde sur la communauté, à la vague de chez nous. Bref, vas-y, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux, comme tu veux, tant que c'est avec le cœur, comme d'habitude, et avec bienveillance, je te le répéterai toujours, c'est tout ce qui compte ici. Allez, peace, porte-toi bien.